Moi, arbre, participant à la géométrie du paysage. Moi, poussé au bout du terrain qui appartenait au grand-oncle Jean-Marie. Mais nul ne sait qui de l'arbre ou de la maison avait précédé l'autre dans son élévation et dans sa conquête du territoire. Moi, nourri de cette terre âpre de peu de substance à sucer. Moi, bâtiment, vaisseau, sentinelle, bruissant d'oiseaux de jour de nuit, friand de mon jus résineux sucré. Moi, Cupressus macrocarpia, haut de 30 mètres et large de plus encore, importé de Californie vers 1846 et lancé à la conquête des falaises schisteuses du monde armoricain. Moi, arbre mûr abîmé par les tempêtes d'hiver depuis presque 2 siècles. D'un coup dessoudé, lâchement dégommé un matin, pris d'assaut par un bulldozer. Oui, sauvagement découpé, dégagé du terrain dans le but d'y construire une résidence pour vacanciers. Moi, arbre assassiné.